Dernière maison de Melden. Alfida devrait être là. Un seau d'eau renversé, signe d'un départ précipité. Laisse-moi tranquille! Tu as ma sœur! Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite à ta sœur, c'est tout. Un Danois en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Comment t'appelles-tu? Je suis Elurich, l'homme de cette maison. Toi, qui es-tu et que fais-tu ici? Je cherche ta sœur, à la demande de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous n'avons pas d'argent. Et ma sœur a largement passé l'âge de se marier. Sais-tu où ils retiennent Alfida? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood. Loin d'ici, à l'ouest. Je vais l'amener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai.
clé devrait ouvrir la cage d'Alphida. Tu n'es pas avec eux, toi ? Pas un bruit. Je suis venu te libérer. Mais je ne peux pas marcher. Ma cheville. Ah, ça, ils ne m'ont pas ménagé. Alors je vais te porter. Qui es-tu ? À prendre autant de risques pour me sauver ? Un ami. Un ami d'Elric ? Il va bien ? Le pauvre. Pas de ton frère. De quelqu'un qui aimerait raviver une amitié. Mes os me font mal. Doucement, s'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Ils m'ont battu. Repose-toi. Tu seras bientôt de nouveau sur pied. Alphida ! Ils t'ont fait du mal ? Ce ne sont pas quelques burnemolles qui vont me faire peur. Laisser un gamin à moitié mort pour avoir volé du pain ? Pas tant que je vivrai. Ces hommes d'armes ne se laissent pas attendrir par un ventre vide. Elric, ouvre les yeux sur le monde. Il est sombre et cruel envers ceux qui ne savent pas se défendre. Alphida, pourrait-on parler en privé ? C'est un bon gars, mais sans père pour l'élever, il ne s'est pas autant endurci que je l'espérais. Je suis venu sur ordre de l'Elderman Birstan. Il se demande si tu pourrais l'aimer de nouveau. L'aimer ? Ce bon Birstan, il n'a pas oublié. Eh bien non. Il m'est arrivé de temps en temps de penser à lui. Mais avec mon frère sur les bras, je ne pouvais pas bâiller aux corneilles. Il n'a cessé de penser à toi, Alphida. Et maintenant que sa femme Estrid va repartir en Francie, il m'a envoyé te chercher. Mais ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Je suis pauvre, je l'ai toujours été. Et lui, un Elderman ? Seigneur Tout-Puissant ! Je veux bien essayer. Comment refuser ? En bon sang. Si tu l'appelles, il viendra. En voyant le feu de camp, il sautera sur son cheval pour venir. Elric ! Viens t'asseoir avec nous. J'ai quelque chose à te dire. Ma petite fleur de pommier, est-ce vraiment toi ?
Eh oui. Mais les corbeaux ont marqué de leurs pattes le coin de mes yeux. Ils brillent autant que lorsque nous étions enfants. Et Eivor t'a tout raconté? Tout, oui, en effet. Et veux-tu bien de moi, mon amour? J'ai le cœur prêt à éclater. Laisse-lui du temps, Birstan. Une passion trop vite ranimée ne tarde pas à s'éteindre. Naturellement. Tu as absolument raison. Et nous avons toute la vie pour rattraper ces années perdues. J'espère que ça mettra moins de temps. Et ce jeune homme est Ellurich, le frère d'Elfida. Bonjour, votre granditude. Appelle-moi Birstan et rien d'autre. Et toi, tu es un bon gars costaud. De quel âge? 19 étés. Je n'ai plus que lui comme famille, Birstan. Si tu tiens à moi, trouve de la place pour nous deux dans ton cœur. Voilà déjà une moitié de notre marché, Birstan. Je reviendrai avec des nouvelles de l'autre. Ça veut dire qu'on va quitter Meldon? Oui, mon garçon. Pour vivre avec moi à Colcestre. Je pourrais peut-être t'enseigner les joies de la chasse. Avant de partir, Ellurich, pourquoi ne pas faire une très longue marche sur la rive du lac?